Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis bientôt 5 ans. Ensemble, nous avons 3 enfants, dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est les vacances, donc on profite. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. Il fait chaud, mais pas très beau. Alors, on a décidé d'aller se faire une petite pause donc dans le jardin, donc jardin public, avec Lilou qui apprend à faire de la trottinette électrique. Et oui, elle grandit. Et Alan qui joue au ballon. Alors, on vous montre tout ça en image. Salut, salut. Alors nous, on se retrouve, il est 14h30, les petits sont à la sieste, Eric est resté les surveiller. Quant à moi, je m'en vais directement dans un magasin spécialisé dans la décoration de fête, car dimanche c'est l'anniversaire de Lilou, et je dois acheter la décoration de son anniversaire. Donc chaque année, je choisis un thème différent. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, donc on va aller voir directement sur place et choisir la décoration qui lui fera plaisir. Voilà. Alors je vous reprends, il est 16h, donc les petits se sont réveillés et sont en train de goûter. Moi, j'ai fait mes petits achats, j'ai trouvé la décoration d'anniversaire de Lilou. Alors je ne vous dis rien parce que sinon elle va le savoir à l'avance et je veux que ce soit une surprise, donc bouche cousue. Je vous montrerai ça en temps et en heure, rassurez-vous. J'ai également fait un petit crochet par Zimane, donc j'y ai fait les soldes, j'y ai pas trouvé grand chose. Alors vous, je sais pas. Mais moi, je trouve que les soldes de cette année sont franchement bof bof. Il n'y a pas grand-chose, que ce soit en quantité ou que ce soit en qualité. Je trouve qu'on a très peu de choix. Alors oui, c'est du moins 50%. Et moins 50% de rien du tout, bah, ça fait toujours rien du tout. Bon, j'ai quand même fait quelques petites trouvailles, quelques petites pépites que j'ai quand même prises parce que j'ai bien aimé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer avec Alix. Alix commence à demander à aller aux toilettes. Alors c'est tôt, mais elle imite beaucoup Alan. Et là, on essaie un maximum avec Alan pour le rendre propre. Du coup, la petite fait pareil. Du coup, je lui ai acheté des petites culottes, toutes simples, comme ça. Donc là, c'est une jaune, une grise et une blanche. Et j'ai pris le même modèle avec une rose, une grise et une blanche. Bon, des petites culottes pour l'aider, donc quand il va faire chaud, à pouvoir l'aider à être propre. Donc, on lui a acheté ça. Est-ce que ça va l'aider? On l'espère. Si elle pouvait être. Et qu'on arrête les couches, elle serait ravie. Donc là, elles sont. Donc, c'est un lot de 3 à 2,99 euros. Forcément, par lot. Franchement, on est ravis. On aime bien. Elles sont toutes en coton.
une fois pour l'apprentissage de la propreté, ça sera propre. Alan, stop s'il te plaît. C'est pas grave chérie, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé également donc, un petit pull pour Alan. Ah, portez-moi ça si c'est pas mignon avec des citrons. Je trouve ça trop chou. Du coup, je lui en ai pris un. Il m'a coûté 3 euros. Donc franchement, c'est pas très cher. Je vous remontre. Franchement, moi, j'adore. Vous, je sais pas, mais je kiffe. Donc en plus, il est bien doublé. Donc sur une matière un peu polaire. Donc ça va lui tenir chaud pour cet hiver. Franchement, pour la maison, je trouve que ça va être vraiment sympa. Il va être trop mignon avec. Je trouvais ça fun. Alors franchement, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est de la qualité, ça reste aussi mal. Donc franchement, moi, je regrette pas. Et sérieusement, je le trouve vraiment super sain. Et j'y ai trouvé un petit pantalon, donc toujours pour Alan, donc à enfiler. Donc toujours dans l'objectif de la propreté, s'il n'y a pas de bouton de braguette à enlever, c'est toujours plus simple. Donc on lui a trouvé cet effet. Donc ça fait quand même un effet jean. Alors je vais essayer de vous montrer, voir si on le voit bien. Voilà, on le voit quand même, je pense. Ça fait vraiment un effet jean, gris anthracite. Avec des petits froncements au niveau des chevilles, mais il n'y a pas de bouton. Du coup, pour lui, ça sera plus facile, je pense, au niveau de la propreté. Et j'ai trouvé également, je vais l'essayer, je ne connais pas. J'ai essayé également un détachant. Alors, je ne connaissais pas. Ça va protéger les couleurs. On espère que ça fonctionne parce qu'on a essayé K2R et ça ne marche pas. Les taches restent toujours, donc je ne sais pas comment je vais enlever ces taches. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis au bout de ma vie. Elle est en train de me bousiller tous ses vêtements, je n'arrive plus rien à avoir. Voilà, donc c'est tout pour le petit haul de chez Zeeman. Franchement, il y a de belles choses, mais ça reste toujours bof bof. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose au niveau des soldes, c'est très très décevant. Après une période de confinement, franchement, je trouve ça très décevant. Vraiment, on espérait mieux. Je pense que ça va être un peu partout pareil. On va avoir peu de choix, peu de soldes. On va devoir faire avec. Voilà. Alors, je vous ai montré mes petits achats du jour. Bon, je suis satisfaite, même s'il y en a peu, malheureusement, comme je vous l'expliquais. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose cette année au niveau des soldes. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai acheté. Ce dimanche a été consacré au jardinage. En effet, on est allé... On a passé la matinée en Belgique, donc à la serre en Belgique, du côté de la Panne, où il y a de très belles choses. Et on y a trouvé ce que je cherchais, donc je cherchais des fleurs pour mettre dans mes jardinières. Habitant au grand large de Dunkerque, on a des grosses difficultés à tenir les fleurs puisqu'il y a énormément de vent. Donc il me fallait des fleurs qui tiennent au niveau du vent. On a opté pour de la lavande. Alors déjà parce que j'aime cette fleur, elle sent terriblement bon. On peut cueillir, les faire sécher et mettre des petits sachets dans les vêtements des enfants. Moi j'adore quand ça sent bon. Et on a trouvé ce qu'il nous fallait. Et du coup on a fait du jardinage. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, hop. Ça, si elle est pas belle. Oui, du coup on a de la lavande, franchement, vous je sais pas, mais moi j'adore ça d'en faire. Ça sent trop bon. Prochain achat, ça va être les transats. Pour l'instant, on en a des en bois et franchement, c'est pas terrible. Donc on va réinvestir dans de nouveaux transats, tout nouveau, tout beau. Et je vous montrerai ça quand on les aura achetés. Là, on les a pas encore choisis. On a une idée sur ce qu'on souhaite, quelque chose d'assez classique, mais franchement, très joli. Du coup, bah, voilà notre petite trouvaille et nos jolies fleurs. Et vous, vous avez quoi sur vos balcons? Voilà. On vient de sortir donc d'une visite à l'école, donc la future école maternelle d'Alan. Donc on a eu la chance de pouvoir la visiter et y rencontrer d'autres parents et d'autres élèves qui seront scolarisés en même temps qu'Alan. Franchement, nous on a été ravis. C'est une très très belle école avec une très belle infrastructure. Les enseignants sont très sympathiques, donc on a pu en rencontrer quelques-uns. Malheureusement,
On n'a pas pu rencontrer la future maîtresse d'Alan puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Elle va faire sa rentrée avec eux, donc on va la découvrir un peu plus tard. J'ai hâte de la découvrir. Alan, lui, s'y est beaucoup plu. Il a beaucoup aimé donc sa classe et puis surtout quelques élèves avec qui il a déjà sympathisé. Donc ça nous a rassurés. Reste plus que la propreté pour être tranquille et tout sera parfait. En tout cas, on est très contents. Alan aussi. Bon, Alix un peu moins parce qu'elle a compris qu'elle, elle irait pas. Donc ça lui a pas beaucoup plu. Mais bon, ils vont devoir se séparer à un moment donné tous les deux. Voilà, donc une après-midi bien chargée. Là, Eric fait quelques courses vite fait. Et nous irons aller faire un petit cinéma en amoureux. Bon, les amis, on vient d'aller voir Conjuring 3. Et comment vous dire, c'est une tuerie. C'était excellent. Si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez Conjuring, vous allez surkiffer celui-là. C'est de loin le meilleur de la trilogie. Nous, on est ravis et pour une reprise de cinéma, on est aux anges. Alors, on va terminer pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut tout le monde! Nous sommes le mardi 6 juin, il est 8h30 et on est tous réveillés par les bébés. Ça arrive assez souvent, on est réveillés par les petits qui viennent nous rejoindre. Oui, oh, c'est très joli. Alan est de la partie. Alan, tu dis good morning? Et voilà, nos petits matins câlins. Alors vous, je sais pas, mais un mois des réveils comme ça, je kiffe, c'est plein. Hein? Thank you, baby. Et voilà. Alors, on a une grosse journée qui nous attend normalement. Alors, on découvre tout ça. À tout à l'heure. Salut, salut. Alors, je vous reprends, il est 14h. Ce matin, j'ai passé la majorité de mon temps à faire du ménage, les lessives. Et oui, les mamans de famille nombreuses me comprendront, des lessives. On en a toujours à faire, c'est un quotidien. Là, c'est fait, je suis tranquille avec ça. Là, je me dirige vers Cora, donc pour aller chercher les couches d'Alan et Alix. Et oui, on commence l'apprentissage de la propreté. Du coup, c'est là où j'ai trouvé les meilleures en rapport qualité-prix. Elles sont top. Et elles sont pas chères, donc c'est encore mieux. Du coup, c'est des couches à enfiler, ce qui sera plus facile pour eux pour apprendre à aller aux toilettes. On espère qu'Alan soit propre avant la rentrée. C'est le gros challenge d'ici, le gros challenge de l'été, la propreté d'Alan. Et apparemment, Alix veut faire pareil, donc on va essayer de faire les deux en même temps. J'ai également pris un rendez-vous chez le coiffeur pour Eric, Lilou et Alan. Ils vont tous se couper les cheveux. Petit changement de tête pour Lilou, je vous dis rien, je vous laisse découvrir tout ça, ça va être plutôt sympa. Donc normalement c'est ce soir, je vous montrerai le résultat sur le vlog. Là on va faire les courses et on va rentrer à la maison ensuite, parce qu'on l'aura bien mérité, pour le goûter. À tout à l'heure. Et voilà le résultat pour tout le monde chez coiffeur. Eric il les a bien coupés. Mon bibounet, il est trop mignon. Et mon brio. Alan. Elle monte ses cheveux, elle, du coup. Et Lilou, elle est choupie avec une tranche. Bon, et Alix qui a rien fait du tout, mais qui veut être vue quand même. Et voilà le résultat. Ils sont tout beaux, tout coupés, tout nouveaux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors tout le monde s'est bien coupé les cheveux, ils sont tous très très beaux. Lilou est magnifique avec sa frange, ça lui va très bien. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, c'est le moment pour le faire, je serai ravie de vous y retrouver. Je suis sur les réseaux tous les jours, alors n'hésitez pas à me rejoindre.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est fini. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et attendez, il y a des bonus. Bon, je viens de finir de planter du pissenlit pour Texas. Et elle les dévore déjà.